Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer un widget à votre lecteur Internet Sony. La première chose à faire est d'appuyer sur la touche Home à votre télécommande. Cela affiche l'écran d'accueil. À cet écran, vous voulez appuyer sur le bouton d'options pour afficher le menu d'options. C'est là que vous trouverez les divers réglages que vous pouvez modifier. Pour cet exemple, nous allons sélectionner Customize Home Items. Maintenant, nous allons à un écran qui nous permet de personnaliser nos icônes et notre application, et à déplacer le menu où nous voulons, ainsi que d'ajouter des widgets. Nous allons sélectionner Add Widget. C'est ici que vous trouverez tous les widgets disponibles. Vous pouvez aussi trouver plus de widgets au magasin Google Play. Nous allons sélectionner le widget Twitter. Une fois que nous sélectionnons Done, notre widget est maintenant à l'écran. Et la prochaine fois que nous allons appuyer sur le bouton Home, notre widget y est. Nous pouvons ajouter plusieurs widgets à l'écran. En suivant les mêmes étapes, nous allons ajouter un autre widget. Pour cet exemple, nous allons retourner et sélectionner l'horloge analogique. Nous sélectionnons Done et les deux widgets sont à l'écran. Nous appuyons de nouveau sur le bouton Home et les deux widgets y sont. Enfin, vous pouvez retirer des widgets de l'écran d'accueil ou les déplacer partout où vous voulez à l'écran d'accueil. En suivant les mêmes étapes, rappelons le menu de widget. Nous allons choisir un des widgets à enlever. Dans ce cas, l'horloge analogique. Nous allons sélectionner Remove from Home, puis le widget d'horloge disparaît, laissant le widget Twitter seul. Lorsque nous rappelons notre menu de widget, nous pouvons déplacer notre widget Twitter partout où nous voulons à l'écran. Nous allons sélectionner Move, et à l'aide du pavé directionnel de la télécommande, on peut déplacer le widget Twitter partout et où on veut à l'écran. Lorsque vous trouverez un bon endroit, sélectionnez Done. Et notre widget Twitter a maintenant un nouvel emplacement. Voilà comment on utilise les widgets au lecteur Internet Sony.